Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botena Binobanso. Wandugwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yaniniwote. Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Oui, juste synthèse, il y a mes mots, les points essentiels, juste les points essentiels. Notre souci, non, souci n'a mis ses alimini, Bakonzi, Balanda, aspiration et la population, Potembo, Kaitambola. Seni a sali musali na ye, musali ici, a tiki rapport dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a eu pour examiner le rapport. Seni a joué qui mongo à l'État pour organiser l'élection. Balini pour ça la audit y a par contre y a Seni. Sikao, le collège chef de l'État a pris si position na ye que a entériné candidature à M. Ronsardé. Sikao a tout Seni, l'autorité va Seni. Passe à la réforme pour être tous là. Dans un critère clair pour accéder à CENI. C'est-à-dire quoi? Tout l'indique que CENI est à la dépolitiser. Et ça, la moussala, l'ingélo, l'obani par rapport à l'obé pour y avoir un peu. Pour te montrer, ça va la rassurer. Ce qu'a été pour voter, que vote n'a eu un an et que ça, c'est là qu'il y a un peu A ou un B, et non pas bas. Nomination et à la tour pour l'Assemblée nationale. Point de chute, il y a marché Zala qui voit et puis pour la nuit, il y a un bien. Étant donné que la situation tout en Ango, par rapport à confinement, tout ça, au moment où il marche à l'élo, il y a un bélé. Il ne fallait pas tout continuer pour traîner Batoubi Soussou jusqu'au-delà. Il y a encore un soutien qui a encore à l'autorité à Brasse. Merci beaucoup. Et non, son nom. Et de réforme, avant qu'il y ait une élection, avant qu'il y ait une élection, il y a le président de Seni. De Seni réforme maintenant nous et salement. Réforme maintenant nous et salement. Bye bye Malonda. Moi j'allais le comme un ils allaient qui bye bye Malonda. Ils allaient qui marche mon corps Oyo. Ils allaient qui la décision. Tous doivent marcher en attendant y a un habitabé. Peut-être qu'en dehors de l'Assemblée nationale place Oyo. Bâtir dans mina biso bazar pour na obi no bobenga ba député. Bazar dignité ya bobenga bango ba honorable. Madame, oui, juste synthèse, il y a mes mots, les points essentiels, juste les points essentiels. Notre souci, non, souci n'a mis ses alimini, Bakonzi, Balanda, aspiration et la population, Potembo, Kaitambola. Seni a sali moussali na ye, moussala ici, a tiki rapport dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a eu pour examiner le rapport. Seni a joué qui mongo à l'État pour organiser l'élection. Balini pour ça la audit y a par contre y a Seni. Sikao, le collège chef de l'État a pris si position na ye, a entériné candidature à M. Ronsardé. Sikao a tout Seni, l'autorité va Seni, passe à la réforme pour être tous là. Dans un critère clair pour accéder à Seni. C'est-à-dire quoi? Tout l'indique que Seni est à la dépolitiser. Et ça, la moussala, l'ingélo, l'obani par rapport à l'été pour y'a beaucoup de choses. Pour te montrer, ça va la rassurer. Ce qui a été pour voter, que vote n'a eu un an et pour c'est là qu'il y a un bon A ou un B, mais non pas la nomination et la tour pour l'Assemblée nationale. Point de chute, il y a marché Zala qui voit et puis pour la nuit, il y a un bien. Étant donné que la situation tout en Ango, par rapport à confinement, tout ça, au moment où il marche à l'élo, il y a un bélé.
il fallait pas tout continuer pour traîner Batubisusu jusqu'au-delà. Il y a moins de soucis à avoir un accord et à l'autorité à plus. Merci beaucoup. Et non, son nom. Réforme. Avant tout qu'il y ait une élection, avant tout qu'il y ait une élection, il y a le président Yasséni. Tosengi réforme maintenant nous et salement. Réforme maintenant nous et salement. Merci. Bye bye Malonda. Moi j'allais le comme la moi qui bye bye Malonda. Ils allaient qui marche mon corps Oyo. Ils allaient qui la décision. Tous les marches ouana tobani yango na bidabe. Peut-être que nous avons tiré l'Assemblée nationale place Oyo. Bâtir la mina biso bazakuna obino bobenga ba député. Bazar dignité à bobenga bango ba honorable. Place ouana tobinga. D'abord, l'audition et l'examen du rapport d'activité de l'équipe sortante de la CENI, y compris le livre des comptes et des dépenses de l'Assemblée conformément à l'article 72 de sa loi d'organisation. Nous exigeons ensuite la révision de cette loi de la CENI au vu des difficultés ou des déficiences qui seront constatées au regard des attentes du gouvernement. Une autre revendication majeure porte sur les propositions de loi scélérantes sur la compréhension de la législature qui ont été rapportées à la session du mois de septembre de la Cour nationale, au lieu d'être soumises à la législature. Le CLC a accueilli avec joie la décision du président de la République de ne pas cautionner l'enseignement irrégulier du candidat pour la République à la justice. Cette démarche va dans la bonne direction. Le CLC encourage le chef de l'État à continuer de faire contre les aspirations légitimes du peuple et surtout à persévérer dans la même direction pour toutes les autres revendications ayant justifié notre mobilisation, ainsi que celles des autres forces vives et politiques de la nation. Pour sa part, le CLC, ainsi que le mouvement citoyen partenaire, viennent rassurer l'ensemble de notre peuple et le reste mobilisé jusqu'à la bourse de nos exigences par toutes les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale. Le CLC et ses partenaires se réservent une fois de mieux jouer avec la bourse. Il y a des exemplaires qu'on va vous remettre. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a un rapport avec le marché? Non, il va récapituler l'ingala. Quel est l'objectif? Est-ce que vous l'avez atteint? Bien, merci beaucoup d'abord à tous ceux qui ont participé à cette marche pacifique organisée par le CLC et ses partenaires.
nous avons marché puisque nous estimons que nous avons eu beaucoup de difficultés avec la CENI les années passées, c'est-à-dire en 2006, en 2011 et en 2018. Nous estimons que maintenant, avant qu'on puisse désigner les animateurs de la CENI, qu'on fasse d'abord la réforme de la loi électorale, la loi organique, qu'on puisse auditer les comptes de la CENI et que l'on puisse examiner le rapport de la CENI puisque la CENI a fait un mandat. Nous estimons que cela doit précéder, les réformes doivent précéder la désignation de nouveaux animateurs. Et nous remercions beaucoup tous ceux qui ont participé à cette marche pacifique puisqu'en fait c'est l'expression de la volonté de notre peuple d'être gouverné par des gens qui ont été proprement élus de manière transparente et de manière crédible. Le point de chute était ces lieux ou bien c'était le palais du peuple et que, vu le dispositif policier qui a été mis en place, vous n'avez pas pu accéder au palais du peuple? Bien, nous n'avons jamais envisagé d'arriver au palais du peuple. Le palais du peuple n'a pas été notre objectif dans la mesure où, aujourd'hui, dimanche, au palais du peuple, il n'y a personne. Et les dispositifs de ne sont pas impressionnés aux deux chefs de la coalition au pouvoir, c'est ça? Un message à leur adresser, c'est de faire notre volonté, c'est-à-dire la volonté de notre peuple. La volonté de notre peuple, c'est de respecter les lois et prendre les décisions qui permettent d'assurer le bien-être de notre population, la sécurité de notre population, puisque ce sont des préalables pour que le pays puisse se développer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref? Vous avez marché pour contester l'entérinement par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda, alors que le chef de l'État a dit Niette, on ne va pas l'investir, ou c'est juste pour la réforme de la CENI? Si vous avez bien suivi, nous avons remercié le chef de l'État pour le pas qu'il a fait en n'acceptant pas d'entériner ou de prendre acte de l'entérinement de Ronsard Malonda. Mais nous estimons que l'objectif, c'est la réforme. Il faut qu'on puisse procéder à la réforme de la CENI. Merci. Aningala. Vous pouvez récapituler Aningala. Aningala. Aningala, nous sommes là. Voilà, chers compatriotes, c'est nos images depuis Kinshasa avec le jeune homme Joseph Kabamba Mbalandaï. Voilà. Nous allons vous mettre là une archive de quelques jours seulement de Prince Epengé qui va dans le même sens. Donc le CLC et la Mouka sont tous partis dans le même sens, terminer la récréation avec les FCC. Donc, maintenant, il faut la réforme de la CENI, parce que le président de la République a rejeté la candidature de Ronsard Malonda. Voilà, regardez. Parlement, est-ce que nous avons pu faire un peu de temps?
Félix Anna Kabila. Au Sengi, Akabana Kabila. Merci, Matoua, pour ce qu'on a eu le coup à la Congolais. Voilà, chers compatriotes, nous allons terminer par un rappel historique très important. Alors, il y a un compatriote de Ndegonabiso Moko congolais, Akomeli Joseph Kabila Mukanda. Mukanda wana ezali très important, très interpellant. C'est publié par la prospérité online.net. Lettre ouverte à l'ex-chef de l'État, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, à l'occasion du 10e anniversaire de son discours du 31 juillet 2010. Bande Koboyo Kabia, c'est une gifle, une véritable gifle. On lui rappelle exactement ce que lui-même avait dit. Donc, pire que Félix Tshisekedi, déjà on craint. Félix Tshisekedi par le FCC à cause de ce qu'il est en train de faire là. Donc la justice, remettre la justice en place. Mais dans le discours de Joseph Kabila en 2010, il enfonce encore le clou. Il dit aux magistrats de faire leur travail en toute indépendance et de ne craindre que Dieu. Vous entendez ? On va lire la lettre de rappel à Joseph Kabila. Permettez. Voilà. Je vous montre une photo d'illustration de la prospérité de cette lettre-là. Voilà. Le document est là. Voilà. On va lire ça pour vous. Honorable sénateur, nous vous remercions très sincèrement pour votre discours stratégique du 31 juillet 2010, dont le centre de gravité est incontestablement le rappel à l'ordre. Suivant. Togotanga n'y a sauté, mais Togotanga, l'essentiel. Oye, yemoko le bac. Si ko yoba komi kobang. Soyez des magistrats qui n'ont peur que de Dieu et de la loi. Soyez des magistrats qui n'ont peur que de Dieu et de la loi. Mais qui font peur à ceux qui enfreignent cette dernière, qu'ils soient congolais ou étrangers, jeunes ou vieux, citadins ou ruraux, riches ou puissants. Vous voyez, Joseph Kabila Gimoko alobaka yangobe ba aplika yangote. Soki bazali ko aplika yango lelo, donc ba lobate ke ezali République des juges, hein. Ezali application ya oyo yemoko alobaki na discours ya 2010. Hein. Alors, il ne faut pas s'attaquer à Félix Tshisekedi, qui est en train de mettre de l'ordre maintenant. Ouais. Nous profitons de cette opportunité pour vous remercier également, l'Esprit Saint à travers tous ceux qui y ont participé de près ou de loin à la rédaction de cet illustre discours, et plus particulièrement l'auteur de cette instruction parfaite et intelligente, une instruction fondamentale que vous n'avez pas mise en application lors de votre passage au sommet de l'État. Ouais, c'est certain, il n'a jamais mis ça en application, ce discours-là. Oui, je saute un peu, parce que c'est très long. Alors, l'auteur de la lettre à l'ancien président de la République, sénateur à vie, il lui dit ceci.
Réveillez-vous, révoltez-vous contre ces contrevenants à votre illustre rappel à l'ordre du 31 juillet 2010. Évitez d'être leur bouc émissaire. Ils sont à la base des glissements, des tentatives du troisième mandat, de la récente loi controversée qui vient de faire démissionner le ministre en charge de la justice, du passage en force de l'homme, de la CENI. Ils se font passer pour vos pions, alors qu'en réalité, ils se servent de vous. Joseph Kabila, ces gens-là se servent de vous. Révoltez-vous, honorable sénateur. De quoi na comme il se soit en ligne. Révoltez-vous donc contre cette petite bande de contrevenants aux commandes de FCC qui veulent à tout prix multiplier votre discours stratégique du 31 juillet 2010 par zéro. Oui, parce qu'on multiplie quelque chose par zéro, le résultat c'est zéro. Puisque incompatible avec leur ambition hégémonique. N'oubliez pas qu'ils témoigneront contre vous pour se blanchir. Ah oui. Réveillez-vous. Révoltez-vous contre eux. Quittez définitivement le FCC avant qu'ils ne vous quittent. C'est un avertissement prophétique et indécorant. Donc, les affaires philosophiques, c'est de la sagesse. Donc, Nazali ko félicité de Corona, comme dit Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, aspire au changement qui ne repose que sur la crainte de Dieu et de la loi. Il s'agit là d'un changement totalement conforme à la devise de notre pays, à savoir paix, justice, travail. Et voilà le discours de Yemoko. Le 31 juillet 2010. Hein. Ceci étant, nous chutons en vous, prodiguant le conseil suivant. Réveillez-vous, méditez intensément et sans cesse sur le dit rappel à l'ordre pour vous aligner du bon côté de l'histoire. Dilemme ou pas, répentez-vous et allez prêcher cette bonne nouvelle, votre rappel à l'ordre. À travers toutes nos provinces pour que la délivrance de la RDC se fasse au moindre coût. Bon anniversaire de votre discours stratégique du 31 juillet 2010. Kala Kala et Chen Kal Kal, comme vous l'avez. Deko Oyo Akomeli. Donc, Azali, journaliste, il y a la prospérité. Voilà. Chers compatriotes, wana ezalaki bonus nabiso ezali pona kolakisa été terminé la récréation. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo reprend les choses en main, même si ce n'est pas à 100%, mais je pense que c'est déjà à 80% peut-être, parce que il reste l'économie, les finances, c'est encore dans les mains de la Kabylie. Il a une centaine d'entreprise, et puis il ne payait pas les impôts et tout ça. Il faut revoir pour qu'il y ait de l'argent dans la caisse de l'État. Donc ils sont à la base de la dépréciation de notre monnaie. Voilà, il faut que maintenant le président Félix Tshisekedi peaufine des stratégies pour récupérer la situation économique et financière. Voilà, Bandeko. Que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo.